Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte du jeu Trove. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Donc alors Trove c'est un jeu édité et développé par Triumph Work, si je me rappelle bien. Donc c'est un petit jeu cubique que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert sur le Humble Bundle. Appuyez sur E, tout. Ok d'accord. Bon, alors je sais pas du tout ce que c'était. Alors, le jeu est principalement en anglais. Pour avoir le jeu, il suffit tout simplement de télécharger la plateforme de jeu Triumph Game. Glyph, pardon. J'ai un peu de la merde. Wow. Ok, ça c'est pour sauter comme ça. Le next goal, machin, ok. Donc alors, je sais pas du tout si c'est un jeu qui se joue exclusivement en multijoueur ou pas. Je découvre vraiment le jeu avec vous. Ça m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Hein. Alors, mince, ça c'est chiant. Appuie sur E pour craft, profession. Hein? Je peux pas craft, j'ai pas d'objet. Donc on dirait un petit peu une sorte de cube world. Mais par contre, le gars, il... pour le moment, je vois pas trop de différence à part peut-être les ennemis. Ok. What the fuck? C'est passé, je sais pas trop quoi là. Haunted Wood. J'entends Haunted Wood. Tac, prends ça dans ta face. Ah. Ouais. Ok, ah ma vie elle remonte toute seule, d'accord. Quand on appuie sur shift on fait un saut, ok. Plutôt pas mal aussi. J'ai peur. Tac. Tape-le. On peut récupérer ça ou pas? Non, j'ai pas l'impression, je sais pas. Je sais pas si c'est un système de niveau. Ouais, je crois que j'ai l'impression que c'est un système de niveau. Tac, on se restaure un peu notre. Wow! Où est-ce que je suis? Aïe, je m'en doutais que ça faisait mal ça. L'ambiance est assez pesante. La musique est assez sympathique. Parce que si je monte. Ok, il monte tranquillement comme ça, je suis pas obligé de sauter. Plutôt pas mal. Je peux savoir à quoi ça m'a servi d'aller dans le donjon. Rien du tout. Génial. Bon. J'ai trouvé un mec tout à l'heure, je sais pas où il est allé. Il s'appelait Lou, je crois. Ah, il est là-bas. Attends-moi! Reviens! On peut parler? What the fuck? Ils sont pas gentils, hein, ils parlent pas. Je leur dis bonjour et tout, ils me répondent pas. Normal. On va essayer au moins de... Oh mince. Pas un moyen de changer d'arme. Je sais que quand on appuie sur tab, on change de mode. What the fuck. On va essayer de construire un petit truc sympa. Allez, on va essayer d'aller construire un truc sympa. Quand on prend pas trop le but du jeu, on peut détruire ça ou pas? Non, mais par contre on peut détruire ce qu'il y avait à côté. Pourquoi je fais ça moi à chaque fois? Haunted Wood. Aïe. Forêt. Tac. Wow. Ah, ça se répare tout de suite après. C'est dommage.
Je sais pas trop ce que c'est ce qu'il y a en haut à droite là. Tac. Pourquoi il continue à taper lui? En fait là je cherche une bonne petite maison pour me caler. Un bon endroit pour me caler là. Donc je sais que la bêta elle est assez chère, je crois qu'elle est environ à 18 euros. J'avais pas vu que j'en avais autant. Tac, nickel. Allez, je tue lui, hein, puis on va penser à se caler, non? Vous croyez pas? Alors, je sais pas du tout enfin la date de sortie du jeu exact. Ça ressemble un peu à Kid War, hein, comme j'ai dit. En tout cas, j'espère qu'il sera pas abandonné comme Kid War, en tout cas. Enfin, qui... Ah, c'est quoi? Un Hopper Topper. Ouais, j'ai un Hopper Topper. Génial. Oh shit. J'ai tué des gens. Ok. On va voir. Slay the Skeleton King. Faut que je tue le roi squelette. C'est lui le roi squelette. Oh yeah. Tiens, prends ça. Oh merde. J'ai une nouvelle épée. Ça a l'air d'être une nouvelle épée. Tac. Et y'a quoi là-dedans? Comment on fait pour ouvrir son inventaire? Et donc maintenant que j'ai terminé ce château, je peux sortir, d'accord. Alors d'après ce que je remarque en haut à droite, les points c'est quand on termine les châteaux. Bon, par contre j'aimerais bien savoir comment faire pour ouvrir son inventaire. En tout cas pour changer. Inventory c'est B. Du coup je dois acheter avec ma nouvelle épée, d'accord. On va la tester. Je sais pas si elle fait plus de dégâts que l'autre ou pas. Ce sera intéressant. Tac. J'ai l'impression qu'elle fait plus de dégâts déjà. Alors le personnage c'est pas moi qui l'ai créé, il s'est créé automatiquement. Alors je sais pas si on peut le créer ou pas. En tout cas j'espère une chose, c'est que j'ai pas oublié que tout fonctionne bien. Parce que j'ai oublié de lancer Audacity. Et ça serait con. Ouf. De devoir tout refaire. Parce que du coup, ce ne serait plus une découverte. Ouch. Mal cher.
Ouais, bravo. Alors, j'ai quoi? Ah, j'ai un chapeau. Donc, on peut personnaliser notre bonhomme. Alors, les chapeaux, les chapeaux, le chapeau. Le chapeau, c'est là. Ça, c'est quoi? Oh! Énorme. Non, on va garder le chapeau. Alors... Oh, DL, l'épée de malade. Attendez, il a pas laissé un truc le roi en le tuant. Non, il a rien laissé. Hein. Alors, foiré. Il y a quoi par là? On n'est toujours pas atteint le niveau 2. Hein. Ah si. J'avais pas remarqué. On est déjà niveau 2. Intéressant. Alors, est-ce que notre personnage peut nager? C'est quoi ça? Des tacs. Donc on peut détruire tous les cubes qu'on veut. Bon, on peut le faire autant de fois qu'on veut ou quoi? J'ai l'impression qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut. Alors par contre, quand on passe en mode construction, notre personnage se met en... D'accord. Une grande croix qui vient quand on détruit les trucs. D'accord, sympathique. Donc quand on passe en mode construction, notre personnage se met en invisible. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça fait une sorte de god mode. Oh, what the fuck? Ah non, c'est un s'en fout. Oh, ça fait bien mal. Yes. Allez, on va passer les vols 3. Tac. J'ai les oiseaux à côté de moi aussi qui font un caca nerveux parce que je fais beaucoup de bruit. Mais bon, c'est terre. Le nom d'un chien. Et les bruitages sont vraiment sympathiques. Ah, là, il y a encore un truc. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, là, il y en a un. Tac. Two Warp Seed. Je sais pas ce que c'est des Warp Seed, mais. On devrait le savoir dans pas longtemps. Tac. On va bien trouver un dernier donjon quand même. Tac. Ouais. Oh, il est passé derrière moi, le gars, j'avais pas vu. On va bien trouver un dernier petit donjon quand même. Passer level 3. Oh! Le soleil! À moins que ce soit la lune. Je crois que ça doit être la lune. Oh! Slay the Skeleton King. C'est à peu près tout le temps la même chose par contre. Hein. Ça a l'air d'être tout le temps des skeletons. C'est pas grave. Y'a pas de mob après dans les. La musique me fait penser à Banjo Kazooie. Wow. Tiens, prends ça. Prends ça. Nickel, alors il m'a donné quoi? Je suis level 3. Alors B.
Ah, ils ont des noms, les... Ah non, désigné par Nati. Dessiné par Nati, dessiné par... Ok. Alors... On va tester un petit peu chaque arme. Mince. Où est-ce qu'il est le mob? Il est là. What? What the fuck? Ils sont violents. Putain, ils sont violents là. Y'a pas un autre donjon que j'ai couvert tout à l'heure hein? Ah, il a gagné de la vie, enfoiré. Croquette Monster. Je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose. Bon, bah, on a découvert un petit peu ce jeu, il est fort sympathique. J'espère qu'au fur et à mesure de la bêta, il va y avoir d'autres trucs. Là-bas, il y a quelque chose là-bas. Il n'y a pas beaucoup de mobs, c'est tout le temps les mêmes. Et aussi, bah, les donjons, c'est pas très compliqué au final. Même s'il est assez bien rempli niveau, niveau stuff, hein, quand même, il est assez bien rempli niveau stuff. Bon, je pense que si les développeurs ne font pas comme, comme ceux de Cube World, ils devraient bien gérer la chose. Sûr, j'ai déjà fait. Ah oui, j'avais pas vu la croix au-dessus. Ouais, donc on va se faire un petit peu de construction avant de se laisser. Donc on va créer un truc. Alors, moi j'aime bien le rouge. Alors, on va se construire une maison. Mince. On en a plein des cubes dès le départ. Je me suis... Une maison rouge. Ouais, une maison rouge, c'est pas grave. Non mais c'est pas vrai, on peut pas être... On n'est pas invincible alors... Oh, il a détruit ma maison, l'enflure. Putain, je crois pas. Voilà. Une fois tu dis tu auras pas ma maison. Méchant Gaston. Alors tac. Tac, voilà, on laisse ça comme ça. Mince. Je peux pas construire. Voilà. Mince. Comment on fait pour le détruire déjà? Non, on va pas détruire celui qui est en dessous, ce serait un peu con. On va faire encore une couche. Ah, on voit à travers les trucs. C'est peut-être pour ça en fait, pour qu'on puisse voir, pour empêcher que notre personnage nous gêne quand on construit. Je sais pas. Tac, voilà. On construit des fortifications. Donc quand on reste appuyé, ça ne continue pas de construire. C'est dommage. Pourquoi il y a la musique là? D'accord. En fait, la musique c'est pas du tout quand. Au début j'ai cru, mais non. Tac.
je l'ai pas fait de 3. Tac, on va le faire en gris. Voilà, ensuite là on va prendre du bleu. Voilà, on a fait notre maison. Enfin, il manque plus qu'un petit toit. Est-ce qu'on peut sauter de deux? Ouais, on peut sauter de deux. On peut pas faire grand chose à ce que je vois. Quand j'appuie sur H, ça sert à quoi? Ça sert à que dalle. H. H ne sert à rien. Génial. Alors, bon. J'appuie sur N, ça sert à... Ah, le store, un petit store. Donc là, c'est pour acheter des starter packs. Donc moi, je crois que je dois avoir celui-là. Ouais, je crois que je dois avoir celui-là. Neon Ninja. Et Fire Tricker. J'en ai combien? Neon Ninja. Ah non, je n'ai même pas, moi. Ah, moi, j'ai les premiers. Je sais pas trop comment ça marche, en fait. Ouais. Alors, on peut s'en acheter. Ça, c'est avec du vrai argent, hein. Par contre, tout ça, c'est du vrai argent. Et ça, je crois que ça coûte vraiment super cher. Alors, par contre, ça, on peut s'en acheter, mais avec de l'argent du jeu, d'après ce que je vois. J'en ai 1500. Alors, on peut s'acheter un truc, pas une tête de crocodile. On peut s'acheter quoi? On va s'acheter un petit truc. Ah, on peut s'acheter des blocs pour construire. Ok. Un costume. On peut s'acheter un costume? Non. Ah, là, par contre, là, c'est cher, hein, n'empêche, les classes. Faut que j'en ai 5000 pour pouvoir avoir une nouvelle classe. Sur ce, les amis. Re tout le monde. Alors, petite explication. Action Myrilis n'aime pas Trov, ou c'est l'inverse. C'est Trov qui n'aime pas Action Myrilis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois que j'essaie de tourner avec Action Myrilis, ça crache. Et donc là, ça vient de cracher avant que je puisse terminer ma phrase. Hein. Puis du coup, la musique est super forte maintenant. J'espère que cette découverte du jeu Trove vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo pour savoir comment vous avez trouvé ce jeu qui est, ma foi, fort sympathique. Ça va être le jour dans pas longtemps. Donc je pense qu'on va regarder le lever de soleil. On va se laisser. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Le soleil et la lune se lèvent et se couchent tous les deux au même endroit, ce qui n'est pas du tout logique, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un jeu, vous allez me dire, et il est encore en bêta. Donc, sur ce, portez-vous bien, allez, salut tout le monde.